Coucou les French Vikings, ça va ? Salut, comment ça va ? Salut Bastien, ça va ? Ah ouais, donc là, je suis avec Billy et Nadir. Vous êtes deux amis, vous avez lancé un projet artisanal qui s'appelle French Vikings. C'est ça. Et qui, en fait, l'idée, c'est de créer du mobilier sur mesure à partir de béton. C'est ça. J'ai ça. Donc, c'est ça. Donc parlez-moi vraiment de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on travaille le béton ? Alors, nous, le béton, déjà qu'on rencontre dans la vie, c'est-à-dire, c'est quoi le béton par rapport au ciment, par Alors, déjà, il faut qu'on casse quelque chose qui est marketing. Nous ne faisons pas du béton. Et ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, c'est pas du béton, c'est du mortier. Tout ce qui va être considéré comme béton décoratif, c'est en fait du mortier. La différence béton et mortier, le béton, c'est sable, ciment et gravier. Le mortier, c'est sable et ciment. Donc, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de plus fin et plus lisse. Donc déjà, mais marketingement, on parle de béton. Et donc, du coup, après, vous faites du mobilier sur mesure. Et donc, avec ça, on fait du mobilier. Avec un béton spécial, comme qui est particulier, on arrive à avoir des bétons plusieurs couleurs. Donc, on casse un peu l'image du béton gris qu'on voit tout le temps. On a des bétons colorés de toutes les couleurs et qui peuvent être aussi... Et donc, du coup, on peut avoir justement ce genre de table travaillée. Vous avez travaillé avec qui ? Où est-ce qu'on peut voir ça à Paris, par exemple ? Alors, on peut voir... On a fait une boutique rue de Charonne, un opticien, Milan Lunetier. OK. On a fait un bar à Montorgueil, La Cabane. OK. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Et sinon, on fait des particuliers. D'accord. Pas et vous faites... alors, je crois que vous faisiez, vous faites encore des lampes. Moi, ce que je me souviens, j'avais vu ça à l'époque. Ouais. C'est comme ça que je vous ai connu. Ouais. On est toujours à cette étape-là de faire des lampes aussi. Alors, le démarrage, on a commencé, on a fait des lampes. Voilà, tout à fait, des lampadaires. Et puis, petit à petit, on a fait grossir notre catalogue. On fait beaucoup d'accessoires de déco, des petits plateaux, des vide-poches, des jardinières. Qu'on arrive à expédier en plus dans le monde entier maintenant. Donc, c'est plutôt assez cool. Hein. Voilà. Ouais. Et après, on fait aussi beaucoup de sur-mesure. Typiquement Milan Lunetier, La Cabane, qui sont vraiment des projets spécifiques où on travaille avec des architectes ou des décorateurs d'intérieur. Et en plus, donc, du coup, de ça, vous faites aussi des ateliers pour inviter à tout le monde à venir et travailler ce béton comme vous et à créer leur propre mobilier. Exactement. Dans un dracard. Donc là, on est dans un nouveau dracard. Le futur dracard, c'est ça. On a fait construction et tout. Il y a un peu de travaux encore. Ouais. Avant de parler du dracard, etc., pourquoi French Vikings ? Quel est le rapport entre vous, entre les Vikings ? Vas-y, explique. Ouais. Alors, on a beaucoup galéré pour trouver le nom, mais après, on a trouvé sympa d'utiliser le nom Viking parce que ce sont des grands artisans. Ils sont très connus pour la qualité de leur artisanat, la résistance de leurs produits, etc. Et le côté French parce qu'on est comme fiers d'être français. Voilà. D'accord, donc c'est aucun rapport avec la barbe, avec la guerre. Pas encore. Rien du tout. Ni les cheveux. Alors, expliquez-moi ces ateliers que vous mettez en place. Alors, les ateliers, c'est l'idée de pouvoir partager notre travail et le montrer. On s'est dit qu'on allait inviter des gens à venir passer 2 heures, 3 heures, une demi-journée, une journée avec nous pour fabriquer un objet. Pour tous les âges. Pour tous les âges, de 7 ans jusqu'à 77. C'est famille. Voilà, vraiment. Et l'idée, c'est de se dire, comme on fait un atelier, ça va nous permettre de mettre plus de monde, qu'il y ait plus de participants, et ça permet d'avoir un produit qui va être moins cher que si on l'achetait directement fabriqué par nos soins. Donc ça permet de rendre ça accessible à beaucoup plus de monde, et ça permet surtout de montrer un travail et un savoir-faire qui est le nôtre, et le béton, et de donner une nouvelle image du béton. Et puis de se dire à la fin, chez toi, t'as ta propre lumière, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et du coup, en fait, c'est le meilleur moyen de communiquer sur vos produits, parce que la personne sera là, sera fière, va le montrer à ses parents, va le montrer à ses amis. Et du coup, alors, moi, je viens vers vous aujourd'hui aussi, parce que j'ai vu que vous aviez une campagne de crowdfunding, comme on dit, de financement sur ULL. Pourquoi vous avez besoin de financement aujourd'hui ? Alors, en fait, on a besoin de financement parce qu'on a envie d'aller un peu plus loin dans le projet. Nous, on a notre activité, on fabrique du mobilier en béton. Et on fait aussi des ateliers où tu vas pouvoir venir fabriquer un objet, une lampe, un plateau, une table, un bureau. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en plus de ça, on veut dédier une partie de notre espace à des gens qui, après avoir suivi une formation, vont pouvoir revenir acheter des produits, nos produits, des matières premières, et ensuite fabriquer seuls dans un espace dédié des objets de leur choix. Ça peut être une table, ça peut être une jardinière, ça peut être un vide-poche, plein de choses. D'accord ? Donc, un espace qui va être dédié au grand public où on va pouvoir revenir, payer une cotisation, acheter des produits sous forme de matière première et fabriquer ses propres objets. Ça, c'est la première partie qu'on ajoute à notre atelier, à notre activité de French Viking. La deuxième qu'on rajoute, tout au long de notre aventure, on a fait plein d'erreurs. On a eu beaucoup de mal à trouver un local, on a eu beaucoup de mal à se développer. On sait à quel point ça peut être difficile quand on est artisan ou ce qu'on appelle plus généralement entrepreneur créatif, de trouver un lieu pour débuter, surtout quand on démarre. Donc, on va dédier une partie de notre espace à 6 entrepreneurs créatifs. Des entrepreneurs créatifs sont des gens qui ont un savoir-faire,
qui vont travailler le bois, le cuir, le verre ou la porcelaine. Pas forcément le béton. Rien à voir avec le béton, pas d'obligation de travailler le béton. Pendant 6 mois, on met à disposition gratuitement notre local avec des outils et avec des conseils. Les conseils qu'on donne, on n'est pas des entrepreneurs chevronnés, on n'a pas monté et revendu plein de boîtes. Donc mais on vous l'avez fait, vous au moins. Quoi. Donc, voilà. On s'est lancé, mais surtout, on sait les erreurs qui nous ont fait perdre du temps et qui nous ont pénalisés, qui nous ont empêchés de nous développer plus rapidement. Donc, c'est juste un retour d'expérience de dire, bah voilà, ces erreurs-là peuvent nous avoir, elles peuvent être pénalisantes ou éviter de faire ça. Ou voilà. Ça permet aussi d'encourager les gens, ne pas les laisser seuls chez eux à essayer de bosser. C'est jamais vraiment motivant de bosser tout seul chez soi. Là, avec des gens autour, ça sera plus motivant, il y aura plus de résultats. Et voilà, un vrai atelier créatif, voilà. Co-créatif, c'est plutôt ça, voilà. Comme un espace de coworking. C'est ça. Donc là, on est tout début de ce nouveau Dracar. Vous, vous pensez que ça pourra ouvrir quand, du coup? On est chaud pour mi-septembre. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Vous êtes vraiment très très chaud, vous êtes très volontaire. Pour comprendre, ouais. Là, on est à Aubervilliers, on est quand même à deux pas de Paris. Il ouais. Ne faut ouais. Pas avoir peur de quitter la, de quitter, de passer le périph. Là, on est quand même à 3 minutes, allez, bon, 10 minutes à pied de fonds populaires de la Plaine Saint-Denis. Mais en tout cas, c'est quand même assez cool de se dire qu'il y a des développements qui se créent en dehors de Paris. Ouais. Dans, même pas le Grand Paris, mais vraiment en dehors de Paris, on n'est pas loin. Et puis, l'idée aussi, c'est que ça soit un espace de vie. Parce que ça, on en parlait un petit peu en amont, le but c'est de pouvoir aussi prendre l'apéro, de prendre le voilà, temps, de prendre le soleil et de quitter un peu son quotidien parisien de la grande ville pour pouvoir faire autre chose. C'est ça, non? C'est ça, voilà. Donc comme là on le voit pas, mais il y a un énorme jardin court. On veut aussi essayer de faire quelque chose de collaboratif. Quand on vient et qu'on est entrepreneur créatif, on a un projet, qu'on soit dans une atmosphère dynamisante, qui soit encourageante et qui porte et qui amène vers la réussite et le succès. Et il y a une citation qu'on aime bien et qu'on trouve qui est plutôt réaliste. C'est comme disait Steve Jobs, si on reprend le programme des entrepreneurs créatifs, ce qui va distinguer un entrepreneur qui réussit d'un entrepreneur qui échoue pour 50%, c'est-à-dire la moitié, c'est de la persévérance. Et comme disait si bien Nadir, on est bien moins persévérant quand on est tout seul chez soi, assis sur sa banquette, avec des doutes et des questions. Et ça déjà, la première partie, c'est d'emmener dans un univers, dans une atmosphère qui va être motivante, dynamisante, et qui va encourager les gens à réussir à développer leur projet. Ok, et je confirme, je suis bien d'accord, c'est difficile d'être tout seul, moi, dans mon propre projet. Tout voilà, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voilà. Donc, comment vous connaissez, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Parce que ce n'est pas votre métier d'être artisan. Non, du tout. Donc, toi, tu faisais quoi? Moi, j'ai fait du droit, mais j'ai commencé le béton comme il y a 6 ans maintenant, avec mon père, qui, lui, en faisait depuis une dizaine d'années. Ouais, et toi, Billy? Et alors, moi, je bossais en finance, j'ai fait de l'audit financier, de la gestion de patrimoine. Et à côté, je faisais des lampes chez moi, tout seul dans mon appartement, comme ça à côté. Un jour, à une soirée d'un ami commun, on se retrouve assis sur la banquette à côté, on discute, on se raconte ce qu'on fait. Je lui dis que je fais des lampes, Nadir me dit qu'il fait du béton. Et là, c'est un coup de foot professionnel. Voilà, c'est ça. Et donc, 3 jours c'était après. Il y a peine 2 ans. Voilà, 3 jours après, il était chez moi, je lui montrais les lampes. Et 15 jours après, il me proposait de prendre une petite place dans l'atelier qu'il avait avec son père. Beaucoup de fonds de Paris, parce qu'actuellement, on est à Viry-Châtillon. Voilà. Ouais. Avant ça, on était à Viry-Châtillon, donc c'est quand même 40 km de Paris. Ouais. Et les choses se font assez naturellement, vous êtes trouvés au bon moment. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Après, c'est toujours difficile de commencer une nouvelle aventure avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'avait pas forcément les mêmes visions et les mêmes attentes au début, et puis petit à petit, ça s'est mis en place, et maintenant tout roule, et on est quand même bien contents de bosser ensemble, et ça se met bien en place. Ouais. Okay. C'est quoi vraiment le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer, qui a sa petite vie de bureau? Que vous aviez justement un peu tous les deux, et voilà, c'est quoi passer le cap de dire bon, j'y vais, je fais ma vie dans un autre procédé? Je pense qu'il faut tout simplement essayer. On a commencé, avant d'avoir ce local de 650 mètres carrés, on a commencé, on faisait des petites jardinières qui étaient comme ça, qui étaient toutes moches. Aujourd'hui, on fait des plans de travail qui font 7 mètres de long. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de se dire je vais peut-être décevoir des gens, ou ça ne va pas marcher, etc. On fera des erreurs, il y a des choses qui ne marcheront pas comme prévu, il faut y aller, il ne faut pas entamer son enthousiasme et sa volonté, il faut juste y aller. Et ça, ça fait combien de temps que vous êtes rencontrés? Ça fait 2 ans, là ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, maintenant vous en êtes arrivé à un deuxième Dracar bientôt, avec un beau projet. Ouais. En tout cas, bravo, quoi. Bravo, parce que ça fait partie des histoires belles que j'ai envie de raconter aussi. À travers le Travail Facteur. J'invite tout le monde à venir vous rencontrer quand tout sera fait, ou à venir vous aider pour pouvoir faire aussi. Éventuellement. Et surtout à vous soutenir sur le crowdfunding. Hein. Voilà. C'est bien ça? C'est ça, okay. Exactement. Bon, merci. Merci, Bastien. À une prochaine. À une prochaine. Ciao.